tout le monde a des projets, sauf que il y en a qui se lancent et d'autres qui ne se lancent pas simplement parce qu'ils ont peur. Et dans cette vidéo, on va parler de 4 types de peurs qui t'empêchent de lancer tes projets. Salut, moi c'est Manu Arthur. Bienvenue sur Business Expertise. Ici, on parle bien sûr business, entrepreneuriat, mindset, création de richesse. Si tu te sens chez toi, abonne-toi right now. Alors, la première peur dont nous allons parler, c'est la peur du regard de la société. Il faut savoir que lancer un projet, c'est clairement s'exposer à des risques. Quand on parle de risque, il faut savoir que le fait de tomber, c'est inévitable. Donc, et malheureusement, la société ne sera pas là pour te prêter main forte. La société, la majeure partie des gens, ils seront là pour te critiquer, pour t'insulter, pour te ridiculiser. C'est important de savoir que le regard de la société ne te définit pas. Le regard de la société ne définit pas ton succès, ne définit pas tes valeurs. Donc, pour réussir dans la vie, c'est super important de comprendre qu'il faut être capable de gérer, il faut être capable de supporter ces critiques, ces ondes négatives, ces insultes, ces ridiculisations and everything, et de rester sur sa voie. Deuxième type de peur, c'est la peur d'être seul. Beaucoup de gens craignent d'être seuls dans l'entrepreneuriat. Ils ne savent malheureusement pas que la solitude peut aussi être une force. La solitude te donne la possibilité de prendre des décisions, te donne la possibilité de te connaître toi-même, te donne la possibilité aussi de travailler à ton rythme. Il faut comprendre que tu n'es pas vraiment seul, tu es juste chef d'orchestre de ta propre réussite. Troisième type de peur, c'est la peur de recommencer. C'est important de noter que dans l'entrepreneuriat, c'est autant des hauts et des bas. Et malheureusement, parfois quand on tombe, on a tellement peur de recommencer que voilà, on n'a plus envie de se lancer encore. Cependant, il est important de savoir que les moments d'échec, c'est des moments d'apprentissage. Et à chaque fois qu'on se relève après un échec, on se rapproche plus de notre objectif. Ça, c'est super important. Savoir recommencer après un échec, c'est un signe de détermination, c'est un signe de résilience. Quatrième peur, c'est la peur de l'échec. Malheureusement, en Afrique, l'échec est souvent perçu comme un obstacle à éviter à tout prix. La vérité, c'est que l'échec est inévitable sur le chemin de la réussite. Et tous les entrepreneurs sont passés par cette étape. Mais les grands entrepreneurs, leur particularité, c'est qu'ils ont su surmonter cette étape de la peur. Alors, la peur, ce n'est pas la fin, c'est juste une étape sur le chemin de la réussite. On est à la fin de cette vidéo et je viens de te citer 4 types de peurs. Alors, en commentaire, dis-moi quelle est parmi ces 4 types de peurs celle qui te pose le plus de problèmes. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à partager. N'oublie surtout pas de t'abonner pour ne pas rater nos prochains contenus. À la prochaine!